Bienvenue les amis sur Essai Libre. Aujourd'hui, je suis encore avec la Ford Mustang et avec mon ami Brice qui est là. Salut les passionnés. Qui découvre un bout d'Amérique. Ah là, hein, ouf, c'est génial. C'est génial, hein. On c'est a quand... même le temps qui va avec. C'est quand même pas mal. Quand je t'ai parlé que j'allais avoir une Ford Mustang, je t'ai dit il faudrait qu'on réunisse une ancienne et une nouvelle. Et là, tu t'es décarcassé. Je me suis décarcassé. Tu t'es décarcassé pour me trouver une Mustang des années 60. Voilà, tu me dis, bah, va falloir que tu sois avec moi. Le problème, c'est que moi, la Ford Mustang, bah, j'y connais rien, mais rien. Ouais. Tu me fais l'historique du Nervin, il n'y a pas de problème. J'ai la chance, le privilège, d'avoir un ami qui est passionné d'auto, mais à un point qu'il en a fait son métier, parce qu'il est journaliste auto. On aura pu le découvrir dans différents magazines et différentes émissions de télé. Peut-être que certains journaliste auto aujourd'hui sur Essai Libre, les amis, voilà. Attention. Donc, un spécialiste. Que certains passionnés le connaîtront. Ouais. Et il est accompagné par le plus grand des hasards d'un ami qui est venu lui rendre visite, qui est aussi un grand passionné de Ford Mustang, parce qu'il est aussi propriétaire d'une Ford Mustang, mais qui est en plus mécanicien. Donc niveau moteur, oh bah alors, il va pouvoir nous dire des trucs. Voilà. Alors là, ce matin, donc, les amis... Moi, je n'ai fait qu'apporter l'ancienne que je t'ai trouvé. D'ailleurs, on va faire un petit remerciement tout de suite. On va remercier tout simplement Grégoire. Ouais, Grégoire et GT Vintage. Et donc, de son garage GT Vintage, par en fait cette voiture-là, j'ai appelé Grégoire, et il m'a dit, écoute, j'en ai une, viens la chercher. Donc voilà, il m'a laissé les clés et tout, c'est Grégoire, hein, parce que Grégoire n'a pas pu être libre. Ouais, il ne pouvait pas être là ce matin. Il n'a pas pu être là ce matin, mais il m'a dit, écoute, tu prends les clés, la voiture, et puis tu t'en vas avec. Donc voilà, donc merci Grégoire, son garage, donc GT Vintage. Regarde. Messieurs, voilà. Bien le bonjour. Ouais, on est un peu à la bourre. Non, mais tu fais bien de le dire. C'est pas la mais voulure, en fait. C'est, ouais. C'est Brice, il est bavard, donc je roulais doucement. Il y a pas un petit peu plus de 400 chevaux là-dedans. Bah, il y a à peu près 450 chevaux, mais on l'a fait mollo-mollo. Voilà. Parce qu'on profite en cabriolet, on est tellement bien là. L'essence est chère en ce moment. Belle réunion ce matin là, quand même. Complètement. Hein, tu nous as fait de la Ford il y a pas longtemps, mais là tu nous fais quand même un autre registre. C'est de la Ford, mais d'une autre façon, avec, avec Mustang qui est une déclinaison. Ouais. Bon, messieurs, bonjour. Salut. Thierry. Ça, Ludovic, voilà. Enchanté. Voilà. Un plaisir. Et Christophe. Bonjour. Enchanté également. Spécialiste de la mécanique et journaliste auto. Voilà. On peut les présenter comme ça. Et alors, fan de Mustang avant tout. Et fan de Mustang, les deux propriétaires de Mustang. Bon, bah alors là, on est bien placé. Donc l'objet de ce matin, c'est de présenter surtout l'ancienne et la genèse. Comment ça marche, l'ancienne, qu'est-ce qui s'est passé en 1964? Ça marche bien, il y a un moteur. Roues, c'est magnifique. Et quel moteur. Ouais, c'est très rustique. Hein, c'est très rustique. Il faut savoir qu'à la base, la Mustang, c'est une Ford Falcon, qui est vraiment une familiale très grand public. Ouais. Ce qui a permis aussi de faire une voiture, entre guillemets, sportive, très abordable à l'époque. Ouais. C'était le but du jeu. Bah hein, c'était, savoir que le premier prix d'une Mustang en 64, c'était moins cher qu'une coccinelle. je crois que c'était à $50 près. Donc, oui, à la base, c'est une Ford Falcon. Hein, ils ont pris ce qu'ils avaient dans la banque d'organes Ford pour faire une voiture pas très chère. Ouais. Donc toute la plateforme, la mécanique, tout provient de cette voiture, de la Falcon, qui n'était pas très jolie. Et à l'intérieur, on retrouve aussi quelques éléments, comme des éléments du tableau de bord, les compteurs, les boutons, voilà, les petits accastillages, etc. La Mustang, elle arrive vraiment à point, voilà, pour cette génération-là de jeunes baby-boomers, donc il y a une petite vingtaine d'années, des petits moyens, et qui peuvent se faire une voiture à la carte, puisqu'évidemment, on pouvait sélectionner toute une gamme d'options. Catalogue d'options, déjà, à l'époque, important. Voilà, c'est la voiture qui avait le plus d'options disponibles. Ah oui, carrément. Ouais. On inaugurait le principe. On commence avec du petit 6 cylindres de base, donc quand on parlait du prix d'appel tout à l'heure, c'était le 6 cylindres en ligne, je sais plus combien il fait de chevaux, le 6 cylindres en ligne, il doit faire dans les 140-150 chevaux, quelque chose c'était comme pas ça. Grand chose, ouais. C'était pas grand chose, par contre il est incroyable, on a un copain qu'on a uni, on n'a jamais ouvert le moteur, c'est pas très sexe à l'oreille, mais c'est incassable, c'est agricole, mais c'est vraiment un moulin incroyable, et ensuite il y avait 3 V8 de puissance différentes, on commençait avec 200 chevaux, ensuite il y avait comme celui-ci, avec le carburateur 4 corps, 225 chevaux, et puis on a la perle rare, la fameuse Kodka. Kodka, c'était le moteur high performance qui a servi dans les Cobra GT40 et compagnie, qui lui faisait 271 chevaux. Là, je te parle sur les premières années 64-66, cette carrosserie-là. Ouais. Si tu veux qu'on parle après des autres générations, mais on n'a pas assez de la journée. Ouais, on va se focaliser déjà sur celle-ci. Moi, j'aime les détails. Voilà. Donc là, 289. Alors, c'est pas 289 chevaux comme on l'entend souvent. Non, c'est pas ça. 289 cubic inch, cylindré du moteur à l'américaine. C'est une mesure américaine, en fait. Qui correspond à 4,7 litres chez nous. Il n'y a pas marqué le CI ici. Non.
Mais en tout cas, l'appellation, elle est là. Elle est là. C'est la vraie appellation. C'est la vraie appellation, 289. Ça, c'était très à la mode chez les Américains. Et ils aimaient. Plus on avait un gros chiffre, plus on en imposait. Ouais, ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'on pouvait penser que c'était le nombre de chevaux, mais pas du tout, parce qu'elle fait 225 chevaux, celle-ci. 225 chevaux pour celle-ci. Ce qui a fait le succès de cette voiture, quand même, c'est qu'elle a un design. Le design, il est magnifique. Et quelle bonne idée de la part de Ford d'avoir fait un logo différent de la marque Ford. Complètement, c'est une des rares Ford où tu as pas l'ovale bleu, parce qu'à l'époque on avait ben oui. l'ovale bleu, hein, ben oui. qui traînait. Bon, t'as quand même les lettres sur le capot. À l'inverse, dans les années 70-80, ils ont fait l'inverse, ils ont rebagé Ford et le cheval n'apparaît plus du tout hein, sur les châssis Fox des années 70-80, ce qu'on appelle les générations un petit peu moche, un petit peu oublié de crise, là, il n'y avait plus du tout de Mustang dessus. Mmh. Est-ce qu'il y a eu un historique de pourquoi ils l'ont appelé Mustang? Alors il y a tout un... c'est assez flou. Au début, elle devait s'appeler Cougar, si je ne dis pas de bêtises. Ah, tu regardes toutes les photos de maquettes et quoi. Il y a le logo, c'est un Cougar qui cavale devant. Ouais. Cougar, ils l'ont réservé à Mercury. Sachant que la Mercury Cougar est une Mustang rhabillée aussi. D'accord. Et la Mustang, alors après, bon, voilà, cheval sauvage, il y a tout un truc. Il y en a qui disent aussi que c'est aussi pour rendre hommage au P-51 Mustang, l'avion de chasse nord-américaine de la Seconde Guerre mondiale. Il y a toujours un tas d'histoires. Voilà, pour moi, voilà, c'est le cheval au galop. Le cheval au galop, son âge, la liberté, etc. Voilà, c'est ça. Ça symbolise surtout la jeunesse, la fougue de la jeunesse. C'est ça qui est beau. Pas non plus des voitures ultra prestigieuses, les Mustangs. On pourra en reparler un petit peu d'ailleurs Ça l'est aujourd'hui, mais. Ça l'est aujourd'hui, voilà, mais il faut savoir que même en collection, la cote n'est en train de flamber que depuis 2-3 ans. Ça restait une voiture qui était encore très abordable il y a encore 2-3 ans. Tu pouvais toucher un cabriolet Mustang pour 20-25 000 euros. Bon, maintenant c'est fini, ça a doublé. Ça a doublé, ah oui, carrément. Ouais. Mais peut-être aussi parce que Ford a remis la Mustang au goût du jour et a réattiré les clients vers les anciennes aussi. Mais à la base, oui, c'était une voiture, je vais dire, de grande série. Donc, c'est aussi des voitures qui n'ont pas forcément été entretenues comme il fallait à l'époque. Oui, c'est sûr. Hein, donc, mais de la grande série comme ça, on l'aime. Le logo est sympa aussi, là, sur le côté. Mettez les logos comme ça d'origine. Ça, c'est une. C'est du factice. C'est du factice, voilà. C'était réservé aux poupées et aux cabriolets, les fastback. Tu sais, la berlinette avec le toit fuyant. Ouais. Ne les a jamais eues. Ça donne du style. La berlinette était donnée plus sportive, donc ils avaient mis un petit peu moins de chrome. Et ça casse un peu la longueur parce qu'elle est très longue, la voiture. Alors, ce qui est joli, c'est l'épaulement aussi, ce petit épaulement ici. Oui. Ici, là, un petit décroché, là. Qu'on retrouve un petit peu maintenant sur la moderne. C'est le bouchon de réservoir. Ah, bah c'est. Ici, voilà. Ah oui! Ah oui, on fait le plein ici à l'arrière. Voilà. C'est tellement pratique. C'est joli, hein? Bah ouais. Il faut avoir un bon câble parce qu'à une époque, on se les faisait voler à tour de bras, ces machins-là. Et ouais, parce qu'il suffit de dévisser, tu t'en vas avec. Dévisse, et... un bon. Voilà, enfin, on va pas donner la méthode. Non, on va pas donner la méthode, mais c'est une pièce de collection en soi, rien que oui, ça. Oui, oui. Bon, alors. Les trois feux, effectivement, on les retrouve et ils sont là-bas, à l'aide, effectivement. Bon, on ne met plus l'essence là, hein, je te rassure. Non. Ça, c'est fini, ça ne marche plus. Et celle-ci, elle est bien Ford France, elle est en kilomètre-heure. Alors voilà, elle a le tableau de bord spécifique export européen. C'est marqué où, les kilomètres-heure? Tu vois, gradué jusqu'à 200. Ah oui, d'accord. Parce que c'est gradué jusqu'à 120 miles. Ah oui, 120 miles, voilà, 100 miles. Ça, c'est un. Les Françaises étaient en général mieux équipées. On a le fameux rally pack. Alors ça, c'est... très couru. C'est collector, c'est le collector, c'est le contour et la montre. Ah ouais. Ça qui était monté d'office sur les Françaises. Et après, c'est mécaniquement, en France, on avait surtout le moteur 225 chevaux. On n'a quasiment pas eu de moteur de base. Il n'y a pas eu le 200 chevaux parce qu'il y avait deux versions en 64. 200 chevaux, faut savoir qu'on n'a pas eu de 64,5 en France. Ça a commencé qu'en 65. Ouais. Y a toujours un petit décalage. Hein. Ils fournissent d'abord les marchés américains. Ouais. Voilà, comme celle-ci, on l'a eu aussi un an après les Américains. Donc on n'a pas eu de 260 nous en France, sauf erreur. On n'a pas eu de 260 en France, elles sont arrivées vraiment début 65 avec le 289. Sachant que le millésime 65, si je dis pas de bêtises, il commence en septembre 64. C'est toujours le décalage des années millésimes. Pourquoi on les appelle 64,5 les premières? C'est parce qu'elle est sortie le 17 avril 64, la Mustang. Oui, oui. Et donc elle n'a duré qu'un demi-millésime, en fait, d'avril à septembre. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de vrai millésime 64. Quelle date à succès 17 avril 64. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a eu 10 millions d'exemplaires vendus. Toute génération confondue. Il faut savoir que cette génération, la première, 64-66, a un record, je crois, qui tient toujours. C'est un petit peu plus d'1 million d'exemplaires en 2 ans.
Ça, cette carrosserie-là, tu as eu plus d'1 million d'exemplaires. C'est parti ouais. comme des petits pains. Dès que ça a été vendu, tout le monde se l'a... Le premier jour, j'ai plus les chiffres en tête, mais je sais plus. Ouais, c'était 50 ou 60 000 commandes. Les carnets de commandes. Il a dormi dans sa voiture le premier jour pour pas qu'il y ait quelqu'un d'autre pour faire la queue. Ah, oui. Il y a eu un truc de malade. Oh mon Dieu, 14 pouces. Ça, c'est une petite taille. Et là, j'ai l'impression d'être sur James Bond avec un truc qui va abîmer la voiture d'à côté. C'est vraiment là. Je peux dire des gros mots. Attention. C'est de la branlette de spécialiste. Mais voilà, les Françaises, malheureusement, moi, j'ai plus la plaque sur la mienne, avaient des petites plaques, avec le type et numéro de série. Et pour la petite anecdote, les premières, le type mine, c'était 5T. Ils n'avaient pas encore homologué le nom Mustang. 5T, c'était le nom américain, le type de la Mustang. Après, ça a changé. Ça, à partir de 66, je crois, on a Mustang. Thierry, je note un truc tout de suite, parce que moi, je suis un maniaco-dépressif du vérin. J'aime quand il y a des vérins. Attends, celle-ci, non mais je vais... Ça, c'est une tringle, non? Non mais attends, ouais. je vais te... Tiens, on va le faire en direct, tout de suite, regarde bien. Regarde le poids de la bête. Ah ouais. Ah non mais attends, ça pèse. Et, voilà. Et regarde, une petite béquille. Une petite béquille. On est en 2018, bon Dieu. Et là, en 1964, alors c'est pas du vérin, mais 65, c'est des... 65, celle-là, oui, bon, c'est enfin, 65, pareil. Oui, voilà. En 60... C'est des ressorts. C'est des ressorts, mais c'est génial, t'as pas eu d'effort. Alors ça, le ressort, c'est très bien. Bon, ça se détend. Graisser régulièrement, ça peut se détendre. Non, c'est surtout quand ils deviennent trop durs à l'inverse. Quand on ferme, ça peut voiler le capot. Ouais, c'est à savoir. Bon, alors. Je précise, le filtre à air n'est pas d'origine sur ce voilà. Ah oui, ça. Ça devrait être une grosse gamelle. Un filtre à air de HP, ça. Voilà, ça, c'est le filtre à air des High Performance 271 chevaux. Ouais. Mais tout devrait être une grosse gamelle dorée comme le cache cubu ici. Voilà. Ça, c'est la couleur d'origine de cache cubu. Ouais. Par contre, doré comme ça. Bloc noir. Cache cul de but et filtre à air or. Mm. Et après en 66, ça passe en bleu. En bleu, bloc bleu. Et bloc bleu. Bah c'est bien. Il mettait un peu de couleur, un peu de peps, parce et que là-bas, voilà. Là-bas, ce que t'as, c'est un beau plastique. Bah voilà. Alors, spécificité des exports. La bien nommée Export Brace, qui est barre anti-rapprochement, qui rigidifiait la caisse. Ouais. J'aime bien la forme. Et ça, c'est pas du bricolé maison par le propriétaire. Non. Toutes les exports ont un support renforcé pour pouvoir fixer. Justement, qui pour est faite à l'arrache, à la mormoine. C'est une pièce métallique qui a été soudée, collée, machinée. Ouais. Et on a tout ça. Et au début, quand on connaissait pas, on se dit mais c'est quoi C'est l'ancien proprio qui a bricolé. Tu l'as pas sur la tienne? J'ai pas ce renfort. T'as pas ce renfort? Directement sur la tôle unique. Ah ouais. Et aux États-Unis, tu ne l'avais pas, mais sauf en option, en accessoire. Moi, j'aime la forme de la barre anti-rapprochement, qui est sur trois points, du coup, et comme là-bas aussi, tu vois, ils l'ont mis. Ça rappelle un petit peu. Ouais. On a quelques similitudes. Bon, alors après, parce qu'il y a certaines barres. Savoir qu'en cylindrée, on n'est pas loin non plus. Hein. 4 litres 7, 5 litres. Ouais, c'est ça. 5 litres, c'est un peu la cylindrée mythique de la Mustang, enfin mythique. Attitré. Ouais, d'accord. C'est la référence. Voilà. Elle a toujours eu un moteur de 5 litres. Quasiment. Donc là, on est sur du 4 litres 7 V8 225 chevaux. Voilà, avec le carburateur 4 corps qu'on voit pas en dessous, mais voilà, on peut le démonter. Hein. Ah oui, oui. Voilà. Alors, attention, les spécialistes de la mécanique. C'est un autolithe normalement, je sais plus. Alors est-ce qu'il a mis Ça se démonte facilement. C'est un Edelbrock. Il est plus gros celui-là. Il est beau. Edelbrock. C'est pour ça qu'elle marche bien, je me disais. Il est beau, il est neuf. Elle envoie bien cette voiture. Oui, c'est tout beau. Non, mais elle tourne très bien cette auto. Hop là. Tu vois, c'est pas compliqué. En France, on a eu beaucoup de boîtes méca. On a une plus grosse proportion de boîtes méca que de boîtes automatiques. C'était une voiture sportive quand elle arrivait en France. D'une voiture qui était une voiture de jeune, entre guillemets, abordable aux États-Unis, quand on arrivait en France avec les taxes, les trucs, c'était des autos qui étaient vendues autour des entre 27 000 francs et 30 000 francs à l'époque, en fonction de la carrosserie. Faut savoir qu'une DS19 à l'époque, ça valait dans les 19 000 francs. Ça te donne la proportion. Donc on s'adressait à une clientèle beaucoup plus, un petit peu plus élitiste. Et bon, bah, elle a surtout séduit à l'époque tout le showbiz, les yéyés, mais etc. Mais oui, c'est ce qui a fait son image. Ouais. Voilà. Excellent. C'est ce qui est Johnny, évidemment. C'est la forme de la voiture, c'est le moteur, le V8 qui gargouille, voilà, ça fait un bruit, ça plaît. Les people, on disait pas des people à l'époque. Ouais. Voilà, le showbiz à l'époque, le gratin a beaucoup fait pour l'image de la Mustang en France aussi. Johnny, tous les yéyés, tous les rockstars. Ils étaient en couverture avec. Ils étaient en couverture de Salut les copains avec Mustang, ces bagnoles-là, etc. Elle a eu beaucoup de succès, évidemment, grâce à un homme et une femme. Ah oui. Messieurs, sur Essai Libre, je vais toujours montrer les dessous de la voiture. Ah bah là, et ça, c'est important. Surtout qu'elle est propre. Surtout que celle-là, tu peux y aller. Alors, bah, je vais y aller et je vais démarrer par l'arrière. Parce que. Il y a de la sortie de peau. Voilà.
Il y a deux. 125 chevaux, c'est une manière de, de la reconnaître. Elle avait une double ligne d'échappement. Ouais. 200 chevaux de base avec une ligne. Donc un pot à gauche sur la 200 chevaux. Alors, je ne sais plus s'il est à gauche ou à droite, ça, je me rappelle. D'accord. Et là, c'est parce qu'il y a deux pots, donc c'est une 225. Parce que les moyens de la reconnaître, ils sont pas énormes en fait. Non, extérieurement, non. Après, t'as pas grand-chose. Et après, sur les GT, les doubles sorties passent à travers la jupe. T'as plus les bananes et tu as deux gros trous dans la jupe. Et puis l'échappement passe au travers avec des grilles horizontales. C'est assez sympa, c'est joli. Alors, pareil, beaucoup de gens font ça parce que c'est joli, mais sur des non-GT, bon. Alors, je vais aller voir en dessous. Là, je l'ai déjà fait sur celle-ci. C'est que du plastique. Alors là, c'est un extracteur d'air en plastoc, ok. Mais il y a deux doubles sorties avec système de clapet pour que ça résonne en beauté. Ouais. Et effectivement, ça sonne bien. Donc, je vais aller voir quand même sur celle-ci parce que c'est important de le faire. Tu vas voir grand-chose, hein, mais elle a été restaurée comme il faut. Tu sais, la caméra fait le job. La caméra fait le job. Deux belles lignes, effectivement, mais c'est propre. Oui, je confirme, c'est propre en dessous. Non, celle-ci, elle a été vraiment... Ah ouais, c'est soigné. Elle a été restaurée. Ce qu'on voit malheureusement beaucoup d'importateurs américains qui repeint par les Mexicains. Et à neuf. Qu'est-ce que je vois là? Donc un beau magazine. C'est petit clin d'œil à mon copain Jean-Pierre Versini. Oui. On a quand même un magazine français sur la Mustang. Moi, je tiens à le souligner. Parce c'est bien de le dire. Pour faire de la presse écrite mais aussi, oui. Je sais que c'est très dur. Mais oui. Donc voilà, il édite c'est un trimestriel uniquement sur la Mustang et les dérivés Shelby. Et ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. Celui-ci, ouais, c'est l'édition actuellement en kiosque. Et on a justement un petit article sur les Mustangs françaises de compétition. Dans les compétitions françaises. Plein de petites anecdotes, etc. Et Jean-Pierre nous aide aussi pour le recensement des françaises. On a aussi une page Facebook qui s'appelle Mustang française d'époque. D'accord. Si vous avez une Mustang et que vous pensez qu'elle est française d'origine, venez nous rejoindre avec les numéros de série, le VIN, les plaques d'identification. Attention. Très important. Très important. Elle est ici. Elle est ici. Oui. Là, c'est blindé d'infos. On a le type, le code couleur, le code de la sellerie. La date de fabrication, je connais tout par 27 janvier, et les françaises, les exports, ont tout un DSO, District Special Order, c'est ça oh là. Compris entre 90 et 95. Ah oui. Donc si vous avez entre 90 et 95, c'est une export. Voilà. Tu comprends pourquoi je l'ai fait venir lui. Oui, non mais. Alors, Boris, t'as bien fait de faire venir ce spécialiste. Je t'emmène la bagnole, mais il faut que on vous laisse méditer là-dessus. Voilà. Allez, ciao, merci Thierry, à bientôt. C'est le spécialiste. Dis-moi, je t'ai trouvé la voiture, mais je peux pas faire ça. Oui, c'est le spécialiste puriste. Je peux pas. Donc, les amis, si vous avez une Mustang à acheter, vous venez voir Thierry, il va vous conseiller. Les françaises seulement. Ouais, juste les françaises. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passionné de la Mustang? C'est une auto super à conduire, elle n'est pas compliquée, elle a un super feeling. Puis bon, maintenant, ça fait 30 ans qu'on roule en Mustang, on a des histoires derrière. Ah Elle fait partie de la famille. Elle fait partie de la famille. Bon, mon petit Brice, tu vas m'emmener un petit peu, on va aller faire un petit tour en ancienne, parce que ça fait toujours plaisir. Et je vais te laisser démarrer et écouter ce bruit à l'arrière de cette Mustang. La moderne est très facile, hein. Oh là là, oh, ce bruit. Ah, ça gargouille. Tu sais qu'elle te va bien, cette auto? Tu crois? Ouais. Ah ouais, ça te va bien, c'est génial. Allez. On y va, mon Brice. Encore un moment de bonheur et de grâce. De pur bonheur. De pur bonheur automobile. Ah là, prends un pied. Ah bah attends. Hey. Ouais, tu peux chercher la ceinture. Il n'y a pas de ceinture. Il n'y a pas de ceinture, mon Dieu. Mais non, 65. Ah là là. Tu as un effet quand même bateau dans les virages et tout ça. Vu ce que tu as entre les mains. Ouais. Tu as un freinage qui n'est pas endurant. J'ai Grégoire qui me fait une confiance quand même. Aveugle. Ah ouais, vu la largeur, si tu passes dans les petites rues, elle fait au moins 2 mètres de large. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est les longs capots, tu vois. Ça, c'est l'Amérique, ça. Et puis, tu vois les capots, puis tu vois même les points de nez. Mais oui, tu vois les points, tu sais où tu es, en fait. Mais voilà, mais le piège, c'est que tu vois pas le pare-choc. Et des fois, c'est lui qui touche. Ah ouais. Oh, ce bruit. C'est encore pire que la récente, en fait. Ah oui, c'est beaucoup moins aseptisé, là, c'est... Le gargouillis. Ouais, c'est ce qui fait vraiment charme de cette voiture, c'est que même si tu l'as pas en finition GT et que tu as des échappements, je dirais, simples, t'as quand même le bruit, quoi. C'est le monde américain, mon ami Brice. Carrément. Sur les routes de campagne françaises, c'est ça.
avec une américaine. C'est ça, complètement. Et nos amis derrière, à l'allure aussi. À l'allure de la Mustang. Allez, viens mon petit Brice, je vais t'emmener. Ah. On va changer là. Les amis, je prends le volant d'un Mythe 67 518. Est-ce que c'est 167 000? Tu sais, arrivé à une certaine date, on ne connaît plus les kilométrages des voitures. On ne sait plus. Moi, je sais que la R16, c'est son kilométrage d'origine parce que je l'ai racheté à un copain qui, lui, l'avait racheté à une première main. Mais voilà, donc tout est lisible. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'essence à gauche, la température moteur à droite et au milieu, vous avez les kilomètres heure. Voilà, c'est simple. C'est facile. Alors on y va, on démarre. Voilà, et tu l'aides toujours un petit peu à l'accélération. Voilà, elle est chaude. Ça. R. R, voilà, pour la marche arrière. Voilà. On va faire... Ouh là là. Ah oui. Ouh, effectivement, les amis. Il faut... doser. Il faut effleurer l'accélérateur pour éviter le drame. Alors... Donc là, tu te mets sur le point vert. Bah, des fois, elle y va toute seule, tu vois, j'ai rien besoin de faire. Ah oui, oui, non, mais attends. Conduit, tout seul. Alors le paquebot, la voiture est d'une largeur, mais c'est énorme. Et tu sais qu'en plus, le cahier des charges quand même, pour la Mustang, c'était qu'ils aient une petite voiture. C'est-à-dire que nous, on a sorti la R5, ouais. Et ils ont sorti la Mustang. Pouh, elle est énorme, les amis. Alors ta première sensation, au lieu. Oh bah c'est énorme. Et ce long capot, là, moi c'est ça me fait rêver, ça. Ouais. Le tout avec cette voiture, avec ce grand volant, c'est de prendre des virages en douceur. Oui. Ah bah il faut la tenir en permanence comme tu disais. Là j'ai pas envie de lâcher le volant, hein, je te le dis. Hein. Il y a trois rapports alors. Hein. Oui, trois rapports. Et t'aurais presque envie d'un quatrième. Bah ouais, ça serait pas mal. 90 ça en rend déjà. Dans la campagne, sur les petites routes françaises, avec un paquebot comme ça, c'est impressionnant, mais écoute. Écoute ce bruit. Ah ouais. Ça. On a l'impression d'être en croisière en fait, parce c'est que ça tangue un peu, c'est ça flotte, c'est... ça flotte en termes de direction, en termes d'amortissement. Ah, d'où ce qu'on appelle vraiment l'effet bateau. Ah, l'effet bateau, c'est exactement ça. Hein. Je vais montrer à nos amis les compteurs en action. Ça a son charme quand même avec les entourages chromés. Bah, ça a son charme effectivement. Et là, voilà, on prend un virage. Je peux vous assurer que c'est impressionnant quand même. Hein. C'est franchement impressionnant parce qu'il faut tout anticiper, ça apprend à conduire un peu autrement en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ta comparaison avec la moderne, mon lieu. Oh bah... Vas-y, alors, dis-moi les progrès. Des voitures complètement différentes. Ça n'a rien à voir. En étant moins puissante, elle te donne deux fois plus de sensations. C'est deux mondes complètement différents et effectivement, t'as pas du tout envie de mettre le pied dedans. Non. La taille du volant. On n'a plus l'habitude de ça maintenant. Ah non, il touche pas de tes genoux. Et mon Ludo, il se prend pour Jensen. C'est. Oh, tes fleurs à peine l'accélérateur. Ah ouais, elles ne vendent que ça. Ouais. C'est là quand tu passes entre des murs comme ça résonne. Tout à fait. La genèse de l'histoire, et ça me permet de bien comparer effectivement les progrès automobiles qui ont été faits en 50 ans. Ça n'a plus rien à voir, forcément, vous doutez bien. Mais enfin, quand même la conclusion de tout ça, Brice, ce que je retiens quand tu es passionné comme toi, comme moi, c'est que même 50 ans en arrière, il y a toujours autant de plaisir. Bon, alors si j'ai bien compris ta petite conclusion, mon Ludo, oui. Ton regard merveilleux va encore faire de la place. Ah, t'as tout compris dans mon regard merveilleux, mais bon Dieu, il y a une Mustang. En laquelle? Je te le dis, mais les deux. Mais je prends les deux. Tu rigoles ou quoi? Je prends les deux, bien sûr. Eh, 10 millions d'exemplaires dans le monde. Oui. De cette auto, c'est quand même pas rien. C'est un mythe automobile, on peut le dire. On peut le dire. Et là, aujourd'hui, dans Essai Libre, ben voilà, on en prend le volant. On se devait d'avoir une Mustang sur Essai Libre. C'était pas possible autrement. Voilà. 1965, petite parenthèse. Ouais. Année de la sortie de la R16. Ah. Ah, il perd jamais le nom, mais ça. Ah, la R16. Année 65. De la sortie de la R16 où elle a été élue voiture de l'année. On vient de profiter sur la route, c'était absolument merveilleux la nouvelle.
Nos amis ont essayé, j'ai laissé conduire nos amis. Et puis l'ancienne, eh ben, avec Brice, on a pris beaucoup de plaisir. Donc merci beaucoup messieurs d'être venus. Merci Thierry d'avoir, avec toutes ces explications, on sent la passion. Moi c'est ça que j'aime montrer sur cette chaîne. Tout ce qui est en lien avec l'automobile, mais notamment le passionné. J'aime laisser la parole aux gens. Et là, c'était merveilleux. Tienne, avec quelle année ? Elle est 65 aussi. Elle est quasiment du même mois que celle-ci, parce qu'on joue avec les dates, comme tout à l'heure. Ouais. Celle-ci est du 27 janvier. La mienne est du 10 février. Elles se suivent quasiment. Ah, voilà. D'accord. Bah voilà, c'est des sœurs, des cousines. Des cousines. Des cousines. Voilà. Mais la tienne, c'est une fastback. Fastback, donc avec le toit fuyant. Toit fuyant, sportif. Voilà, la 2 plus 2. Bon. Brice, merci beaucoup pour cette petite organisation avec tes amis. Avec plaisir. Franchement, c'était avec plaisir. C'était un vrai bonheur. On a fait la genèse et la nouvelle. Merci à Christophe pour sa présence et pour sa sympathie. Et côté mécanique. Et voilà, le côté mécanique. Voilà, ouais. Et bah, magnifique. Là-bas au loin, je l'ai caché. Par exemple, ouais. Là-bas au loin, je vois un break Volvo jaune 850. T5R, tout T5R. À fait. T5R. 1995, petite série limitée de Volvo dans les années 90. Ouais. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà. Je me demande 5 cylindres turbo. Thierry, voilà. Je me demande si on ferait pas une parole de proprio là-dessus. On pourrait. Il y a plein de choses à raconter aussi. Les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas, c'est le pouce bleu. Ça, c'est important sur YouTube. Hein. Tu sais, toi, tu as fait des émissions de télé. Un peu, ouais. Bon, ça, on le dit pas trop dans les émissions de télé. À la fin, on dit pas mettez un pouce bleu parce que ça. Voilà. Mais sur YouTube, on le dit. Mm-hmm. Parce que c'est important. Quand on a aimé, ça montre le travail qui a été réalisé. Parce que derrière toute cette petite vidéo, il y a du travail de montage. Complètement. Bon, voilà. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, c'est des heures. Tu sais ce que c'est. Surtout qu'on est très bavard. Donc ça... on est... Oui, mais. Celle-ci bon, va être très longue. Elle va être très longue. Je sais pas comment je vais la découper, mais elle va être très longue. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, Brice, vivez votre passion! Merci, c'est dit. À bientôt les amis, ciao!